Bienvenue dans le sixième épisode de la série du Grand Oral de Up to School Back. Nous avions travaillé la problématique, maintenant on passe à la façon dont tu vas faire évoluer ton sujet tout au long de l'année. Tu as donc choisi deux questions. Tu as déjà fait un bon travail de recherche. Tu as utilisé des sources variées et pertinentes. Tes deux problématiques sont ficelées. Tu commences à bien maîtriser tes sujets. Que faire maintenant pour patienter jusqu'au grand oral? Il va falloir rester connecté à l'actualité de tes deux sujets. Tu as en effet choisi des questions qui font débat et qui ne sont pas figées dans le temps. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est d'abord ton devoir en tant qu'élève, puisque tu as choisi de travailler sur ce sujet. Tu ne peux pas ne pas t'y intéresser. Et d'ailleurs, si un changement majeur a lieu pendant l'année, tu n'y échapperas pas, le jury va forcément te poser une question là-dessus. Deuxièmement, si l'actualité de ton sujet évolue, tu pourras affiner quelques réponses apportées à ta problématique. Le but n'est pas de modifier la problématique et de recommencer tout le travail, mais de faire des petites mises à jour pour rendre ton sujet plus actuel et donc plus pertinent. Et enfin, suivre l'actualité des sujets te permettra de prendre position plus facilement. Comment faire? Voici quelques pistes. Installe et consulte les applications des médias et de la presse qui traitent ton sujet. Consulte régulièrement tes sources pour voir s'il y a eu des mises à jour. Et enfin, sois à l'affût de nouveaux reportages ou de nouveaux articles concernant tes sujets. Petit bilan, retiens bien ces trois éléments. Premièrement, tu n'as pas le choix, il faut se tenir informé de l'actualité. Mais deuxièmement, ça ne veut pas dire que tout ton travail est remis en cause. Et enfin, tu disposes de plein d'outils pour rester connecté aux évolutions de ton sujet. J'espère que tu y vois plus clair sur la façon dont tu peux travailler et accompagner tes deux sujets tout au long de l'année. On se retrouve rapidement avec une prochaine vidéo qui parlera de l'exposé de 5 minutes.